Bonsoir, mademoiselle. Oui, c'est pas vrai. Ah, buenas tardes. Il faut que je voie Buddy Fat. Il y a une jeune femme qui te demande. Seigneur Farah, je suis venue pour sauver une vie. Je ne voulais pas lui faire de mal. Je suis correcte. Non, je vous jure que jamais je ne ferai du mal à Wally. Qui est oh, Wally? Par favor, petit, je n'ai rien à voir du tout avec ce qui est arrivé à Mais Charles. Qui est Charles? J'ignore tout, je ne savais rien. Oh, d'ailleurs, si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui, attendez. Je vous jure, je ne serai jamais mariée avec Wally. Ok, attendez, attendez. Essayez de vous détendre et respirez à fond. Hein. Voilà. Alors, dites-moi, qui est Wally? C'est votre Il mari. Il mérite tout sauf d'être impliqué à ça. Et je voulais. À terre, vite! Il m'aura pas! Il va t'étouer! Il va t'étouer! Oubliez tout, Benny! Tout le monde va bien. Ça ouais, va. Ouais, ça va. Ça va, personne n'est blessé. Isabelle, c'est moi, c'est Wally. Je t'en supplie, rappelle-moi, je me fais du souci pour toi. Oh, s'il te plaît, rappelle. Si je ne t'entends pas, je ne sais pas ce que je ferai. Oh, Isabelle! Arrête de me torturer comme ça. C'est insoutenable. Je te laisserai pas me faire autant de mal. Je supporte plus. L'appel qu'Isabelle avait reçu venait d'une immense propriété isolée à Malibu. Buddy avait décidé de pousser plus avant cette conversation. Mais qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? C'est pas une maison, ça. On dirait plutôt un micro-ondes géant. C'est un véritable bunker. Non, un gros grille-pain. Monsieur Farrow, Monsieur Jones. En chair et en os. Les coups de feu venant de la maison nous mirent tout de suite en confiance. Si ces messieurs veulent bien me remettre leurs armes. Merci, messieurs. C'est parfait, tout est en ordre. Veuillez me suivre, messieurs. Monsieur Warren va bientôt vous recevoir. Soyez gentils de patienter. Ce garçon est l'un des experts en optique les plus chers payés du pays et ne s'adresse à vous que derrière une loupe. Moi, il me fiche la chair de poule. J'ai l'impression d'être une sorte de gros cafard sous une glace grossissante. Bonjour, messieurs. Enchanté. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Warren? Wally. Appelez-moi Wally. Quel est l'objet de cette visite? C'est à propos de votre femme, Wally. Si vous le voulez bien, nous aimerions vous parler face à face. Désolé, monsieur. Je reste où je suis. C'est un célèbre solitaire. On n'a jamais réussi à le voir en personne. Ouais. Très bien. Alors nous reviendrons, Wally. Dites à votre valet que nous connaissons le chemin. À la prochaine. Attendez, monsieur, je vais venir. Attendez, un peu de patience, j'arrive. Il ressemble à une grosse mouche avec ce casque. Ouais. Je suis désolé. Je suis absolument désolé. Baissez votre arme, monsieur Jean. Ah oui, je la tête. Alors vous disiez que c'était à propos de ma femme. Oui, elle est passée à mon nightclub hier soir et on discutait devant l'entrée quand un type masqué a voulu la descendre. Oh mon Dieu, la descendre? Mais ils ne lui ont rien fait, j'espère. Nous n'en savons pas plus. Nous pensions que vous auriez pu nous apporter quelques explications. Je peux voir votre arme. Oh, bien sûr. Et c'est moi qui l'ai conçu. Fixité de l'orientation, effet gyroscopique, vision en 3D. Il n'y a rien d'aussi génial sur le marché. Vous êtes avec Isabelle depuis longtemps? Depuis 6 extraordinaires semaines. Depuis quand a-t-elle disparu? 5 jours. Elle s'est enfuie avec la moitié de ma fortune. Isabelle Guadalupe Innocente. Elle me manque à crever. Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Je l'ai jointe sur son bip à de nombreuses reprises. Elle se cache peut-être dans les jardins de ce bunker? Si c'est le cas, je n'en sais rien, vu que je ne sors jamais d'ici. Combien d'argent a-t-elle pris? Un peu plus de 650 000 dollars. Avez-vous appelé la police ou déposé plainte pour ce vol? Oh non, surtout pas. Isabelle et moi, on s'est rencontrés
Par une agence matrimoniale. Un truc de charlatan? Oh non, c'est une célèbre agence matrimoniale à Beverly Hills. Je me fiche de l'argent, monsieur Farrow. Et peu importe ce que ces recherches vont me coûter, si Isabelle a des problèmes, alors je m'en remets à vous, pour savoir ce qu'il en est. Bien, nous allons vous aider. Seulement, est-ce que vous avez une idée d'un endroit où on pourrait la chercher? Le seul détail qui serait susceptible de vous aider, c'est un petit bateau que je lui ai offert à notre mariage. Bonjour. Salut. Isabelle est là. Qui dois-je annoncer? Paul Krause, investissement maritime, expert en estimation. Qui vous envoie, monsieur Krause? Son époux. Je vais lui dire que vous êtes là. Merci, vous êtes très aimable. Je reviens. Nous avons une petite conversation à terminer, tous non, les deux. Non, lâchez-moi, s'il vous plaît, laissez-moi. Vous ne savez pas ce non, que vous Non, tout êtes. Ce que je sais, c'est que votre mari veut vous parler d'urgence. Je jure que j'ignorais que les choses tourneraient mal. Il ne savait pas qu'on blesserait ou tuerait des gens. Et si ça continue, on va mourir, nous je aussi. Je voudrais bien que vous m'expliquiez ce qui se passe. On ne bouge plus. Et on se retourne doucement. Et surtout, pas de mouvement brusque. Le coup pourrait partir. Allez, réveillez-vous, ce n'était qu'une pichenette. Larry Lutz, j'attends une explication. J'ai rien à vous dire. Moi, je me demandais pourquoi vous avez mis les moteurs en route et pourquoi il y avait des provisions dans la coquerie pour une semaine. J'ai également remarqué sur le pont arrière de nombreuses cartes du Costa Rica. Alors, est-ce que vous et Isabelle comptiez aller y chercher de l'or? Mais au fait, où est l'argent de son mari? Ne me dites pas que vous l'ignorez. C'est moi, son mari. D'accord, je vois. Continuez, Larry, vous m'intéressez. En vérité, je suis son ex-mari. Et depuis quand? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, l'année même où elle a divorcé de Charles Forman. Et où avez-vous rencontré Isabelle, ou je sais comment elle s'appelait à cette époque? À Las Vegas, au congrès des dentistes, c'est mon boulot. Et Cheryl tenait le bar. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Cheryl Tinez. On a vécu ensemble pendant 5 ans. Je suis peut-être demeuré, voire vieux jeu, Larry, mais elle a eu 2 maris avant vous et je trouve ça louche. Ah non, quand on la voit, c'est normal. Bah, personnellement, je vous avouerai qu'elle n'est pas du tout mon genre. Mais avec tout le respect que je vous dois, je crois que vous mentez comme un arracheur de dents. Vous disiez bien que vous aviez été dentiste, n'est-ce pas? Pendant que Buddy menait son enquête sur le bateau, la mienne me conduisit au pays de la corde au cou. Bonjour. Bonjour. Ah, merveilleuse créature. Bonjour. Votre parfum me fait tourner la tête. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Je m'appelle Bob Jones. Je suis venu voir Allegra. J'ai rendez-vous. Voici ma carte. Je vais vous conduire à son bureau, monsieur Jones. Je suis son assistante. Je m'appelle Gudrun. Je vois sur votre carte que vous êtes un détective privé. Oui. Et vous, avec un nom comme le vôtre, vous êtes norvégienne. En effet, vous avez de bonnes oreilles. Je vous remercie. J'en ai 2 et elles sont authentiques. Allegra ne devrait pas tarder. Merci, Gudrun. À tout à l'heure. Merci encore. Vous êtes un fouineur. Les femmes ont horreur des fouineurs comme vous. Je sais, oui. Cela fait malheureusement partie de mon travail. Le mien est d'évaluer la personnalité en un seul coup d'œil. Vous aimez votre travail? L'information, c'est le pouvoir et le pouvoir, c'est très attirant pour un homme. Je suis là pour parler de Wally, pas pour vous dévoiler mes petits secrets. Bien sûr. Ce cher Wally Warren... Comme je vous l'ai dit au téléphone, sa femme a disparu de manière soudaine. J'ai remué ciel et terre pour trouver à ce bigleux une femme à la hauteur. Il ne voulait pas épouser la première Lolita qui passait par là. Très étrange et compliqué, cet homme-là. Êtes-vous marié? Non, non. Mais je vous croyais fiancée. Je l'étais, oui, mais plus maintenant. Et qui est-ce qui vous a dit ça? Veuillez m'excuser. Je suis observatrice et mon intuition ne me trompe jamais. Combien de couples avez-vous amené au mariage? Oh, plus de 5 000. Et le taux national de divorce est de 60%. Chez nous, il s'élève à 2%. En vous voyant, monsieur Jones, je sais qu'elle serait pour vous l'épouse idéale. Si vous le voulez, je suis en mesure de vous la dénicher. Je vous fais cadeau de 15 jours de frais d'agence au bout desquels, si vous n'êtes pas satisfait, nous rompons le contrat. Mais de vous à moi, Bob, vous ne trouverez jamais meilleure offre. Vous vous trompez sur toute la ligne. J'ai rien à voir dans tout ça. Elle est venue chez moi pour que je la protège de ceux qui voulaient la descendre. Où puis-je trouver ce type-là, Charles Forman? Et pourquoi ont-ils divorcé? J'ai rien à voir non plus avec la mort de Charles. C'est pas Isabelle qui l'a tué. Forman? Charles Forman a été tué? Oui, et s'il vous plaît, soyez sympa. Je suis un bon citoyen. J'assurerai sa protection. Contre qui?
Récapitulation. Le mari numéro 1 avait raison. Le mari numéro 2, Charles Forman, est mort il y a 3 ans. Mais je suppose qu'il n'est pas mort de chagrin. Non. J'ai fait mon enquête à l'hôpital. On lui a tiré dessus et il aurait eu ce que le docteur a appelé une hémorragie vertébrale, enfin. Hémorragie vertébrale? Ouais. Ce serait pas hémorragie cérébrale? À une lettre près, ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Et ce type-là, Wally, tu as dit qu'il avait une arme l'autre jour. C'est pas lui qui aurait tué Larry Lutz? Non, c'est pas le genre à mettre le nez dehors pour flinguer un ex. Ah. Au fait, si t'allais voir comment il va, j'ai pas envie d'un troisième mari à la morgue. Ah, d'accord. À tout à l'heure. Ouais. Monsieur Farrow! Comment ça va, lieutenant? Oh, vous savez où est Isabelle? Oh, je crains que tout ceci ne soit pas vos oignons, Farrow. Ouais, on a retrouvé le bateau avec lequel elle s'est enfuie sur la plage à 5 km. C'est du bon boulot de flic, ça, les témoins. Ouais, un type qui habite sur la falaise l'a vu partir avec une grande blonde. Ah, formidable, une grande blonde, nos plages en sont truffées, lieutenant. Vous parlez d'un indice de choc. J'ai des renseignements intéressants de notre mairie. La seule Isabelle Guadalupe innocentée qui existe et qui est inscrite est morte il y a environ 5 ans à l'âge de 19 ans. Là, j'avoue que je suis un peu soufflé. Allegra m'a certifié que son agence passait au peigne fin l'historique de ses futurs clients. Bon, alors soit Isabelle a menti à son futur ex-époux Wally ainsi qu'à l'agence patrimoniale. Soit Allegra a menti. Ce qui serait étonnant, cette femme a réussi à marier plus de 5000 couples en moins de 2 ans. Ah, oh les cœurs, nous avons un plan. Je vais me présenter comme future cliente à marier. Ah, c'est drôle ça, après avoir vu Allegra, c'est exactement l'idée que j'ai eue. Ne me dis pas que tu lui as signé un gros chèque. Non, mais je l'ai autorisé à parler de moi comme d'un garçon qui n'évoque aucun soupçon. Et, mis à part ça, je trouve Allegra complètement honnête dans ce qu'elle fait. Une arnaqueuse qui devient une honnête arnaqueuse. Attends, alors là, il faut que je me pince pour voir si je suis en vie ou alors si je rêve. Ce que je veux dire en clair, monsieur Buddy, le cynique, c'est qu'Allegra peut offrir des services honorables à des centaines de milliers de gens qui sont désespérément seuls et sans ressources pour trouver l'âme sœur. Je dois reconnaître qu'il a raison. À l'époque où je suis venue me présenter chez vous, je m'étais inscrite dans une agence pour trouver le prince charmant. Et avez-vous fait de bonnes rencontres? Eh bien, ce genre de procédé vous amène à rencontrer des hommes un peu différents. Des hommes mariés ou encore des loubards qui sortent de prison et qui en veulent à la terre entière. Non, non, les enfants, voici ma devise. La seule et unique chose qui vous fera rencontrer l'homme ou la femme qui vous apportera le bonheur, c'est le destin avec un D majuscule. Et comment se fait-il que vous n'ayez personne? Le destin ne sourit pas à tout le monde. Je suis Gudrun, l'assistante d'Allegra. Célestine Whitman. Célestine, vous êtes là pour vous trouver un mari? Non, je suis là pour trouver un petit animal de compagnie. Je plaisante, bien sûr. L'amour est une affaire sérieuse. Je sais, et en parlant d'affaires, combien cela me coûtera-t-il? Pour une belle jeune femme, il n'y a aucun frais d'agence. Cette offre me paraît raisonnable. Mais pour vous, ce sera 100 dollars la journée. Je plaisante, bien sûr. Non. Est-ce qu'il a l'air idiot? Tiens. J'aime beaucoup le nœud papillon. Je vous préviens, Célestine, ce garçon aime danser. Ça tombe bien, moi aussi. J'ai remporté 4 titres de meilleur danseur. Ça ne m'étonne pas du tout. J'espère que vous aimez autant les voyages que la danse, mademoiselle Célestine. J'adore voyager, tant que ça n'est pas à pied. Alors, et cette soirée? Oh, mon danseur. Oh, c'était vraiment merveilleux. J'ai une vertèbre coincée et mon dos est en compote, mais à part ça, c'était une excellente soirée. Quoi? Monsieur Jones? Les informations sur leurs clients sont dans l'ordinateur qui se trouve derrière le bureau. Insérez la disquette dans le lecteur en bas et ensuite appuyez sur OK. L'enregistrement se fera tout seul. Bonne chance. Monsieur Jones, asseyez-vous. Oh, quel joli bureau vous avez là. Merci. Alors, dites-moi, Gudrun, comment se fait-il que vous ne soyez ni mariée ni fiancée? Je suppose que j'étais trop prise par mon travail, voilà tout. Je me trompe peut-être, mais je parie que vous devez passer un temps fou dans les clubs de remise en forme. La santé est très importante dans mon pays. Vous avez bien raison, Gudrun. Tant qu'on a la santé, on a le moral, comme je le dis souvent. Mais en amour, Monsieur Jones, avez-vous de la chance? Oh, si j'ai de la chance, alors là... Chanceux dans ma vie, oui, mais en amour. Je n'ai eu que des déboires jusqu'à présent. Que pouvons-nous faire pour que la chance vous sourie? Oh, eh bien, que je réfléchisse. Peut-être devrais-je me teindre en blond. Oh, votre montre est une pure merveille. Je la regarde depuis tout à l'heure. C'est du beau travail. C'est quoi? C'est de l'or blanc? Oui, c'est exact. Oh, elle retarde de 5 minutes. Non, je plaisante. Oh, ça m'étonnerait. Sans blague, un si joli poignet méritait un bijou aussi beau. Excellent choix. Bravo. Merci. Je peux vous poser une question? Oui. Sortez-vous avec les clients? Non, c'est contre le règlement. Je vois. Dommage pour moi. Mais je crois vous avoir déniché la perle rare. Je suis sûre que ce n'était pas... Si c'est l'année où j'ai eu mon permis, je m'en souviens. Non, c'était en mars 83. Ah bon, bah très bien.
C'est fou, ça. Quand on demande aux femmes ce qu'elles font dans la vie, on ne s'attend pas du tout à ce qu'elles nous racontent toute leur vie, non. Vous voulez savoir ce que je fais? Non. Voilà le plat. Attention, señora Sichu. Risotto calamar. Et pour monsieur les flutti di mare. Oh, c'est gentil à vous, merci. Bon appétit. J'ai toujours adoré le risotto. Et arrivederci. Si, arrivederci. Ce garçon est d'une grande générosité. Je l'ai vu donner à manger à tout le monde dans la pizzeria. C'est sympa, non? Normal, c'est le serveur. Oui, je sais. La disquette que vous avez installée dans l'ordinateur d'Allegra a révélé d'étranges informations. Il y a un fichier intitulé « Liste A » où se trouvent tous les renseignements bancaires des futurs maris. Et vu l'importance de ses comptes, l'agence ne choisit pas de pauvres garçons. Tiens, il y a également le nom de Charles Forman. A épousé Isabelle en 95 et est décédé en 96. Bon, alors Isabelle a eu deux époux via l'agence d'Allegra, dont un qui est mort et un autre qu'elle a impunément volé. Vous savez qu'il y a 5 autres morts sur cette liste. Allegra ferait tuer ses hommes, alors? Oh non, l'agence est une affaire qui tourne, ça m'étonnerait. Dans le doute, on va leur jouer le grand jeu. Nos rencontres à Julie et à moi nous amenèrent à la conclusion qu'on ne correspondait pas au profil des victimes d'Allegra. Oui, mais on lui envoya une cible fumante. Monsieur Schwansung, je suis Allegra. Et moi, enchanté. Appelez-moi Swanny. Bienvenue à Beverly Hills, Swanny. Je n'ai pas eu l'occasion de venir souvent par ici, particulièrement depuis que j'ai agrandi ma fabrique. Et dans quelle branche êtes-vous, Swanny? Vous devez tout nous dire à ce sujet. Eh bien, en toute modestie, très chère, on ne m'appelle pas le roi de la saucisse de Saint-Paul pour rien. Ah. Notre toute dernière trouvaille s'appelle la petite joufflue, une petite saucisse pour les cocktails. Ah. Ce projet nous prend du temps, mais comme on dit chez nous, pas de repos pour les saucissonneurs. Je sens en vous une profonde tristesse. La perte d'un être cher. D'une femme que vous avez aimée passionnément. C'est ma chère défunte, Dolores. On est restés 20 ans ensemble sans se lancer une seule saucisse. Et malgré cette douloureuse blessure, je sens une envie de vivre en vous. Vous rêvez de tenir une femme dans vos bras. Mais vous n'êtes pas un homme aux amours de passage. Non, il vous faut plutôt une femme pour qui on dépense sans compter. Oh, vous m'intéressez, très chère, continuez. Une créature déterminée. Avec une forte personnalité et une beauté qui représente un défi pour le mâle bien bâti que vous êtes. Vous n'êtes pas du genre à avoir une femme à la maison qui savoure vos saucisses. Et vous devinez tout ça en quelques minutes, d'un simple coup d'œil. Oui, et la question est, Swanny, me faites-vous suffisamment confiance pour trouver la femme de vos rêves? Car je sais déjà qui elle est, où elle est. Dois-je comprendre que vous connaissez déjà ma future épouse? Oh, je ne peux rien vous promettre. Je ne sais même pas si elle est revenue de son safari en Afrique. Gudrun? L'affiche de Perséphone, s'il vous plaît. Un safari, une chasseresse. J'ai horreur des femmes qui portent des armes. Non, c'est un passe-temps. Ah. Il lui fallait de nouveaux horizons pour oublier un tragique accident. Ah, c'est une handicapée, alors? Non, mais sa carrière est fichue, elle a dû se retirer de la scène. Dans ce cas, c'est une actrice ou un mannequin? Une danseuse étoile. Complètement brisée par la mort de son mari. Voilà pourquoi elle est partie pour soigner ses blessures, celles de l'âme et du corps. Une veuve? Mais ne vous faites pas d'illusions, la partie n'est pas gagnée. Elle a refusé de voir les hommes que j'ai choisis pour elle jusqu'à présent. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Je ne peux rien vous promettre, comme je vous le disais. Mais si j'arrive à la contacter au Burundi, je lui dirai que je suis enfin tombée sur l'homme parfait. Swanny? Perséphone? Et ce voyage au Burundi? Oh, en vérité, j'étais à Palm Springs. De vous à moi, Allegra a une légère tendance à exagérer. Tout comme Grace Kelly avait une légère tendance à être merveilleuse. Mais elle avait d'autres qualités. C'était une très bonne actrice. En tout cas, je dois reconnaître qu'Allegra n'a guère exagéré sur votre immense beauté et votre classe. Ni sur votre courtoisie et votre élégance naturelle. Non, je suis un homme simple, avec des goûts simples. Une phrase simple qui me séduit. Allons dîner, voulez-vous? J'ai un aveu à vous faire. Vous êtes ma première Perséphone. Quant à vous, vous êtes mon premier Monsieur Schwansung. Vous êtes mon premier rendez-vous, à part l'agence d'Allegra, j'entends. Je vois. C'est une première pour moi aussi. C'est vrai? Et vous êtes inscrite depuis longtemps? 6 mois environ. Elle n'a pas arrêté de m'envoyer des photos d'hommes, mais je n'ai jamais ressenti ce petit déclic à l'intérieur qui vous fait dire pourquoi pas. Un pourquoi pas qui vaut mieux qu'un non. Vous serez franc avec moi, Swanny? Je n'aime pas le mensonge. À vous l'honneur, dites-moi qui vous êtes. Eh bien, je vis seule.
depuis très longtemps. Et je reconnais que c'est dur. Bien sûr. Mais ce soir, on est deux. Salope. Excusez-moi, monsieur. Vous devez rappeler ce numéro. Bon sang, je leur avais dit de ne pas me déranger, sauf en cas d'extrême urgence à la fabrique. C'est une urgence. Voulez-vous m'excuser une minute? Elle aurait fait. Buddy, tu ferais mieux de rappliquer. J'ai retrouvé Isabelle. Ok, c'est bon, vous pouvez en mettre. Bon, messieurs. J'ai piqué la vidéo du système de surveillance de Wally. Bien joué. T'as vu quelque chose? Tu rêves, je l'ai pas encore visionné. J'ai tout juste eu le temps de la voler. Bon, arrêtez-moi si je me trompe. Wally vous engage pour retrouver sa femme. Vous découvrez qu'elle envisage de quitter le pays avec son ex-mari. Celui-ci se fait descendre. Et 8 heures plus tard, la fille est retrouvée morte dans la piscine de votre client. Oh, et quel client! Un tireur d'élite, grand expert en optique, mais bigleux comme une taupe. C'est bien ça, Faro? Oui, c'est bien ça. C'est exact. Ah, bah, oui, c'est bien ça. Ouais, ben, on l'embarque. Non, laissez-moi faire. Mon client déteste qu'on le brusque. Je vous donne 5 minutes. Wally? Oui, qui est-ce? C'est Buddy, ouvrez. Pas question, je ne mettrai pas le nez dehors. Wally! Ouvrez cette porte, Wally! Allez, ouvrez-moi, c'est un ordre! Vous êtes sourd, je vous ai dit non! Laissez-moi tranquille! Très bien, comme vous voudrez. Accrochez-vous à la poignée parce que ça va swinguer, Wally! À la une, à la deux, à la trois. C'est un vrai coffre-fort! Pourquoi voulez-vous me voir, juste? Qui sont ces gens? Wally, dites-nous si vous étiez avec quelqu'un au cours de ces 6 dernières heures. Non, absolument personne. Qu'est-ce qui se passe? Alors au moins dites-nous que vous n'avez pas quitté votre mausolée. Je ne sors jamais de chez moi. Mais pourquoi ces questions? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Isabelle, Wally. On vient de la retrouver. Morte, noyée dans votre piscine. Oh mon Dieu! Mon Dieu. Dites-moi que c'est pas vrai. Ils l'ont tué. Et moi, je vous avais engagé pour la protéger. Non, la situation est plus grave que ça. On vous soupçonne. C'est impossible. Enfin, j'en étais dingue. Je l'aimais comme un fou. Nous allons vous aider, Wally. Ne paniquez pas. D'accord. Surtout, n'oubliez pas, vous ne devez rien dire à qui que ce soit sans la présence de votre avocat. Est-ce que c'est clair, mon garçon? Est-ce que je suis obligé de quitter ma maison? Oui, pour quelques heures. Mais El Refé va venir avec vous. Il veillera à votre sécurité. Allez, venez, Wally. Allez, venez. On a le visage de la personne qui a mis Isabelle dans la piscine, mais il n'est pas très clair. Arrête l'image, s'il te plaît. Ce n'est pas Wally. C'est une femme. Je n'ai pas vu de grande blonde à l'agence. C'est flou. Tu peux pas faire le point? Non. Ah bah, si, mais je risque d'en avoir pour un moment. Ça peut prendre des heures, voire même une journée. Alors mettez-vous vite au travail. Moi, je vais voir Wally. Mon avocat m'a dit que je passais en jugement demain. Je peux pas rester là, petit. Je tiendrai jamais le coup. On y travaille, mon petit. Écoutez, Wally, je crains d'avoir encore de mauvaises nouvelles pour vous. Il semblerait que l'agence matrimoniale soit une arnaque et qu'Isabelle ait fait partie de l'escroquerie. Non. Ça, j'ai du mal à le croire. C'est une bande de criminels, Wally. Et quand Isabelle s'en est aperçue, elle a voulu s'en sortir. Elle est venue me voir. C'est pour ça qu'elles l'ont tuée. Alors, j'aimerais que vous repensiez à votre premier rendez-vous avec Isabelle. Oui. Que vous a-t-elle dit sur elle? Elle a dit que j'étais son premier rendez-vous et que... lorsque Allegra lui téléphonait pour lui montrer des photos d'hommes, elle n'avait pas ce petit déclic qui vous fait dire « Pourquoi pas lui ?» Elle m'a également dit qu'elle vivait seule depuis longtemps, que c'était dur, qu'elle était veuve. C'est tout ce dont je me souviens. Waouh, quelle classe, Buddy. Mais ça n'a rien de surprenant. Vous emmenez cette fille à la Maison Blanche? Je pense que l'on appelle un costume de soirée. Cette soirée en ville fait partie de mon travail. Oui, alors là, tout s'explique. Tout est réglé? Oui. Oh, ce que t'en jettes. Arrivé à Dirty, messieurs. Vous êtes très élégant dans ce costume. Ah, merci. Sophistiqué. Oh. Pimpant. Oh. Extrêmement désirable. Alors, je vous renvoie le compliment, très cher. Tout à l'heure, Allegra a téléphoné et m'a conseillé de, d'espacer mes rendez-vous. Elle a dit « Perséphone, faites donc patienter votre chevalier. Vous devez dégager un peu plus de mystère. » Vous direz, Allegra, qu'à mes yeux, les femmes sont toutes empreintes de mystère.
Comme vous avez l'air triste tout à coup. Oh, tout va bien. Non, je suis seulement un peu soucieuse. J'ai quelques problèmes à la fabrique, c'est tout. Ne me dites pas qu'ils ne savent pas faire des saucisses en votre absence. Vous savez, Perséphone, je ne suis pas du genre à raconter ma journée quand je sors. Je préfère l'ignorer et profiter pleinement de votre présence. Oh, Swanny. Ce soir, faisons comme si nous étions seuls dans l'univers et que plus rien n'existe. Cette idée me convient à la condition que nous ne parlions pas de moi, mais plutôt de vous, cher ange. Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé Perséphone ? En l'honneur de la déesse des premières poussées printanières. Ah, et comme cela vous va bien. C'est une déesse italienne ? Non, grecque. Ah, moi, je pensais que toutes les déesses étaient italiennes. On dit très souvent que quand on a aimé passionnément, on n'aime plus de la même façon. Un autre adage dit que l'on oublie avec le temps. Celui qui l'a écrit n'a jamais perdu personne. Il y en a un que j'adore. Il n'est jamais trop tard. C'est vrai. Vite, pressons-nous l'un contre l'autre. J'attends votre verdict. Je dois dire que vous me surprenez. Que dois-je comprendre ? Que vous êtes surprenante. Que faites-vous demain soir ? Ça dépend. De ce qu'Allegra dira de 3 soirées de suite avec mon chevalier. Au diable, Allegra. Si je vous dis 20h. Au diable, Allegra. Qu'allez-vous lui dire ? Qu'elle a vraiment choisi un gentleman. Et je serai tout à fait honnête avec vous, Swanny. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Tiens, ça va ? Ouais. Vous êtes rentré tard ? Non, il y a une petite heure. Je commençais à m'inquiéter, il est presque 5h du matin. Tu sais, Bob, il y a un petit quelque chose chez cette fille qui m'a fait craquer. Alors, c'est une arnaqueuse. Ces filles-là sont généralement charmantes, immorales et violentes. Enfin, tout pour craquer. Ouais, mais au fond de moi, je sens... Je suis sûr que cette fille ne fait pas partie de leur équipe. Vous êtes amoureux ? Ça me met mal à l'aise de vous voir comme ça. Ça te met mal à l'aise, mais pourquoi faut-il que tu ramènes tout à toi ? Non, moi ce que j'en dis, c'est que je me sens triste pour vous. Mieux vaut en parler demain. Merci, Mélor. Swanny, quelle bonne surprise. Perséphone m'a dit que tout se déroulait à merveille entre vous. Fermez-la, Allegra. Je vous demande pardon. Je vous accorde une chance d'écouter, aussi une chance de répondre. Si vous ne dites pas la vérité, j'irai directement à la police. Très bien, j'écoute. Faites un drôle de commerce, Allegra. Votre agence est une affaire qui tourne, mais les fins de mois sont serrées. Alors, une fois ou deux par an, vous comblez ce manque avec des messieurs aux porte-monnaies bien remplis, de gentils hommes seuls de qui vous gagnez la confiance et qui, en un temps record, finissent par épouser une de vos sympathiques clientes, soi-disant triées sur le volet. Mais nous savons tous les deux que les contes de fées n'ont jamais existé. Le pigeon vous a signé un chèque et tout peut s'arrêter. Alors, votre cliente disparaît de la circulation quelque temps. Se coupe les cheveux, change sa garde-robe, prend même un nouvel accent et la voilà prête à refaire surface. Votre réponse maintenant ? L'amour n'a pas de prix, Monsieur Chansu. Le mien n'est pas à vendre. Alors à vous de m'écouter. Il est préférable pour un homme seul de se sentir aimé une fois dans sa vie ou d'être adoré que de ne jamais vivre l'expérience. Même s'il a peu de moyens, nous lui offrons cette chance. Chez moi, ça s'appelle de l'arnaque. Un certain nombre de mes clientes ne payent pas les frais d'agence. Et ce, grâce à ces hommes aux porte-monnaies remplis, qui ne savent pas la fortune qu'ils possèdent. Ils payent le prix fort pour que d'autres aient leur chance. Et combien avez-vous fait payer les 6 hémorragies cérébrales de cette liste ? Je ne vois pas de quoi vous parlez. De meurtres, d'hommes plutôt bien nantis. C'est impossible.
Je ne ferai jamais de mal à un être humain de cette manière. Non, vous les tuez en leur brisant le cœur. Perséphone fait-elle partie de l'arnaque? Non, j'ai sincèrement cru que c'était la femme idéale pour vous. Vous vous prenez peut-être pour Robin des Bois, mais vous n'êtes qu'une simple petite voleuse. Et si vous m'avez menti sur Perséphone, je ne manquerai pas de revenir pour démolir ce gouffre afrique et vous faire enfermer à double tour dans une cellule. Salut, Buddy. Salut. Je viens de parler au médecin légiste qui a fait l'autopsie du second mari d'Isabelle, Charles Forman. Assassiné? Peut-être bien, peut-être pas. Le légiste a noté une blessure dans le coin de l'œil. Selon lui, l'hémorragie a été provoquée par l'insertion d'une aiguille ou d'un objet plutôt fin et pointu. Dantan servait de corde de piano. Isabelle avait la même blessure à l'œil. Oui, je sais. On lui a tiré dessus, mais elle était déjà morte. Pour faire porter le chapeau à ce pauvre Wally. Et la femme avec qui tu sors? Perséphone. Ouais. On a rendez-vous ici ce soir. Non, 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 je veux dire, tu penses que c'est une des tueuses? La vérité, c'est que je ne sais pas quoi penser d'elle. Mais tu sais, je suppose que je serai fixé avant la fin de la nuit. Et si elle est réglo? Quand est-ce que tu comptes lui annoncer la couleur, mon vieux? Pourquoi tu me dis ça? Sûrement pas pour te faire de la peine. Je ne tiens pas à te voir mort avec une corde de piano dans l'œil. Si ça pouvait me permettre d'être en harmonie avec moi-même. Oui, c'est ça. Jones. Quelle joie de vous revoir. Oh oui, quelle joie. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie. Vous venez prospecter? Eh ben voilà, Gudrun, j'ai regardé votre catalogue et... elles sont toutes à croquer, certes, toutes plus jolies les unes que les autres. Mais c'est pas mon genre de femme. Je suis un homme difficile, je sais, mais... On ne voit pas toujours l'arbre dans la forêt. Ah oui, ça me plaît, ça. J'ai réfléchi à votre proposition. L'amour me fait toujours faire des folies. Oublions le règlement. Oh, j'adore la discipline. On peut se voir à 19h. Oh, oui, 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 à 19h, ça me va. Et oui. J'ai réfléchi à l'endroit où l'on pourrait se rencontrer. C'est tellement romantique. Oh, romantique. Oh, oui, j'adore cette idée. C'est vraiment grandiose. C'est une idée fabuleusement romantique. Moi aussi. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. C'est ça, oui, à tout à l'heure. Alors, cette vue? Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que vous faites là, Julie? Vous m'avez suivi? Non, j'ai eu un coup de fil d'Allegra, elle m'a pris rendez-vous à 19h précis. 19h? Oh, zut. Quoi? Zut. Quoi? Zut. Quoi, zut? J'avais rendez-vous, elles nous ont écartés, vous et moi. Oh, mais enfin, pourquoi faire? Tu es Buddy. Oh, bah zut alors. Mais si j'avais su... Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, archi sûr. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise réception. Qu'est-ce que vous faites? Allô? J'essaye de joindre Buddy. Oh, Perséphone le voit ce soir. Ça marche pas. Venez. Bonsoir. Bonsoir, Sweeney. Bienvenue. Merci. Waouh, quel bel appartement. Oui, il appartient à un de mes amis. Il me le prête quand il part en voyage. Ah, je vois. Eh bien, vous direz à votre ami qu'il est très bon. Ah, merci. Je n'y manquerai pas. Vous me faites faire une visite guidée? Oh, bien sûr. Là, l'espace cuisine, ultra moderne. Ici, l'espace conversation, douillet, au coin du feu. Mm-hmm. Là-bas, piano. Avec une vue sur le coin, musique équipée d'une chaîne IFI, dernier cri. Le hall d'entrée. La salle de bain. Non, attendez, mon ami a dit de ne jamais franchir cette ligne. C'est le 38e parallèle, c'est le mur de Berlin. Je crois que on a fait tomber ce mur depuis longtemps. Ah oui, il est tombé.
C'est quoi ce bouton rouge? Ah non, oh, non, 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 n'appuyez pas. Mon ami m'a dit de ne jamais appuyer sur ce bouton, sauf si la situation devient vraiment sérieuse. Pouvez-vous tenir mon verre une minute? Je vais vous laisser seule pendant un petit moment. Je crois qu'il est temps que je me glisse dans quelque chose de plus confortable. Ce serait dommage. Alors? Occupé! Nous devons le joindre à tout prix avant d'arriver là-bas. Perséphone? Gudrun, qu'avez-vous fait à Perséphone? Vous avez menti à Allegra. Alix, c'était Allegra qui avait commis les meurtres. Mais c'est vous la criminelle. Pourquoi avoir tué ces gens? J'aime Allegra. Elle est tout pour moi. Mais vous avez tout faux, ma pauvre Gudrun. Elle ignore totalement que vous avez tué ces hommes par amour pour elle. Tous des menteurs. Comme vous. Ils ne veulent qu'une chose. Je ne les laisserai pas faire. Buddy? Qu'un homme ne possédera Allegra. Ça va? Ouais. Perséphone. Perséphone. Ah, c'est bon, elle n'a rien. Appelle un médecin, tu veux. Ouais. Tout va bien, restez allongé. Que s'est-il passé? Ne bougez pas. Je vous remercie du fond du cœur, les amis. Ah, vu le chèque que vous nous avez fait, c'est moi qui vous remercie. Désolée pour ce qui est arrivé. Oh, je m'en remettrai. Ça fait plaisir de vous voir hors de chez vous. Oui, je pense que je vais sortir plus souvent et aussi prendre des cours de golf. Vraiment? Golf, oh, ouais. C'est une excellente idée. Même construire un mini-golf. Oui, bien sûr. Excellent. Oui. Vous avez la place. Oui. Veuillez m'excuser. Je m'en occupe. Je vous en prie. Je suis navrée, je voulais passer plus tard. Oh, non, mais non, je vous en prie, ça me fait plaisir de vous voir, justement, parce que... Mais je pars pour l'aéroport. Ah, et vous partez loin? Oui. Oui, très loin. Vous n'avez pas à m'expliquer ce départ. Mais par contre, sachez que je ne vous ai pas menti sur certaines choses. Alors, je sais que vous êtes un détective, le devoir avant tout.
Vous étiez obligé de faire semblant de vous intéresser à moi pour parvenir. Je n'ai pas fait semblant quant à mes sentiments. Je vous en prie. Je connais la différence entre faire son devoir et suivre ce que dicte son cœur. De toute évidence, vous m'avez soupçonné d'être mêlé au crime que commettait cette femme. Je ne vous ai pas soupçonné. Mais vous y avez pensé, avouez-le. Vous ne pouviez pas écarter cette hypothèse. Je crois que c'est une raison suffisante pour savoir que notre idylle n'aurait abouti à rien d'autre qu'à une rupture. Perséphone, s'il vous plaît. Vous êtes une femme merveilleuse. Quelqu'un d'aussi gentil que vous mérite la perle des hommes et un jour ou l'autre, vous rencontrerez un homme qui vous rendra heureuse. Quant à moi, j'en crèverai de jalousie. Je crois que je vais avoir besoin d'un peu de temps pour oublier le mal que m'a fait Monsieur Schwanzung. Mmh. Il paraît qu'il fait beau au Burundi en ce moment. Soigner était très chouette, je m'y étais habituée. Oui, moi aussi. Mais je me sens mieux en Buddy Faro. Buddy ou Soigny, j'y ai cru. Adieu, Buddy. We'll be right back.